maintenant. Oh, mais c'est pas possible, je ne peux rien faire en silence, c'est m'interdit. Je suis épilé, là. J'ai fait 45-8 hier à l'entraînement. On y va, on fera 34. Ah, je me suis senti à l'aise, là, hein. Ah, 67-22. C'est pas possible, il y a une erreur. Mais c'est 20 secondes de plus qu'il y a sur le même parcours. C'est bien le même parcours, là, Voilà, merci madame. Pardon. Ah, c'est monsieur, excusez-moi. Au revoir monsieur. Monsieur, dame, bonsoir. Ça y est, on a l'hélico pour demain. Hein. Non, elles sont pas dans la fondue. Ah, gars. Mais elle est très épaisse, hein. Il va falloir sortir les mobiles, hein. Ah, mais non, non! C'est Selman, c'est remplaçant de Jean-Claude pour les micros, là. C'est manqué d'étouffer. Il me faisait des yeux. Putain, j'ai peur qu'elle ne s'embrasse pas. Mais non! C'est juste là, regarde! Ah, mais non, il y a du monde, il y a de la fumée! Ah, ouais, un refuge, c'est ouvert à tout le monde. Ça va, je dois partir. C'est pas tout seul ici. Tu as tes amis, hein? N'oublie pas, vous dîner ensemble ce soir, ce sera sympa. Tu t'es fait mal? Non, non, c'est rien, pas tranquille. Je suis lancé. Je t'ai tiré. Bon, alors, c'est quoi votre adresse? Parce que comme je viens à Paris, donc enfin, moi, une copine, c'est pour 15 jours, 3 semaines, alors ça me dépannerait pour l'hébergement. Ce qui est bien avec Damar et Nathalie, c'est qu'ils sont vraiment généreux. C'est vrai, non, mais ça semble bien qu'ils ont le cœur sur l'âme. Et que je leur ai à peine demandé, et ils m'ont proposé de m'héberger.